C'est le jour de la paix, c'est le jour où tout le monde pourra se dire, c'est le jour de la paix. Ça y est, le nouvel album de notre poteau, de notre B12O BA92i Ultra est sorti du COP. Alors là, je suis hyper hype, je suis hyper hype, 14 sons. Franchement, je suis chaud, je m'y attends. Énormément. Je m'y attends énormément. J'espère, en tous les cas, qu'on va pas être déçu. Alors, là, je suis vraiment, vraiment hype. Ça y est, on y est. Ultra, Booba, 14 sons. Comme vous pouvez voir, GP, AZERTY, RST, bonne journée avec SDM. Mona Lisa, GSX, je sais, 5G, qu'on connaît bien sûr, hein, et AZERTY, on connaît aussi. Vue de la mer avec Dala, l'Olivier, VVV avec Maes, 31 avec Gâteau, Ultra, Grain de sable avec Elia, et dernière fois avec Bramsito. Avec Elia, je sens que ça va être légendaire. Je sais pas comment vous le voyez la chose, mais là, ça sent la légende. Ça sent. Bref, on va commencer. Premier son, GP. Je ne sais pas si je dois prendre réellement les. Ah, je sais pas. On va regarder d'abord les informations. Voyons voir. Alors, composé par Aligo, Booba, Chancé et Mr. Punisher. Produit par Booba, Mr. Punisher, Aligo et Chancé. Chanchi. D'accord. D'accord. Je ne sais pas si je dois prendre vraiment. Je vais. Je vais. Bref, JP, let's fucking do it. Oh putain, c'est lourd. Déjà la première seconde là. Je sens que c'est lourd. Je sens que c'est lourd. Oh putain, c'est en plus un couplet unique, je vois ici. Game over. Putain de merde. Enfin! Enfin! Pas de Grammy, pas d'invite. Sur le bateau pirate, mort ou vif, DUC, shit au large de Pointe-à-Pitre, posé par une MILF. T'as pas d'histoire, t'as vécu, t'es trop gâté comme fils unique. Oh là là, c'est trop lourd. Cette intro est trop lourde, les gars. Oh mon Dieu. Je monte au mitard du shit dans le cul. Fais tes victoires de la musique. Ça parle comme des conquistadors. La frappe qui store avec deux zipettes. Putain, qu'est-ce qu'il m'a sorti là? Alors, t'as pas de couilles, t'as pas de cerveau, pour toi, c'est mort, ni queue, ni tête. Donc, la fameuse phrase, ni queue, ni tête. Alors là, après, il va commencer à faire un truc de malade, un truc que je m'y attendais pas du tout. Alors, elle m'a liké, je l'ai soulié, elle m'a haï, elle a fouillé, je l'ai nexté dans la foulée, fais pas jouner, je vais t'agéouner. T'as genouillé. Oh là 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 là! On a des hypes de Al Capote là! Mon Dieu! Oh la belle époque! Pour ceux qu'ils ont vécu à cette époque-là, je pense qu'il a référence au jeu Call of Duty. Non, je rigole. Au jeu, ouais, Call of Duty de l'époque, on pourrait le dire. Le jeu Grand Theft Auto San Andreas, je pense qu'il parle de ça quand il dit cette phrase j'ai pas fini la school, mais j'ai fini San Andreas.
Ok. Elle m'a dit, t'aimes mes boucles d'oreilles, je lui dis, j'aime rien, je suis parisien. Qu'est-ce que ça va voir ça aussi? Ok. Au resto du cœur, quand nous aurons deux étoiles Michelin, je ne respecte pas les nouveaux ni les anciens, je suis l'ancêtre. C'est pas un petit message là? C'est pas un petit message là? Je respecte pas les nouveaux ni les anciens, je suis l'ancêtre. Sauvage comme l'ancienne RDA, la route pavée de traîtres. Il a pas un petit message là derrière? Je sais pas. Je me tue quand j'ai besoin de naître. Oh la vache. Ok. Ah, c'est lourd, comment il est en train de poser, truc de fou. J'ai multiplié les naissances, maintenant on est trop, que des Fidel Castro. Parce que à l'époque, je crois que Fidel Castro au Cuba avait en fait, je crois, interdit des nouvelles naissances, si je me trompe pas. Je suis pas du tout dans le truc de politique, donc ça se peut que je suis en train de vous dire une énorme connerie, mais je crois que c'était un truc du genre. Ensuite, il dit, négro, c'est que t'as chaud, j'ai eu des échos, c'est-à-dire, on me l'a dit, hein, on me l'a dit que t'as chaud, frérot. Négro, je sais que t'as chaud, mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les fusils d'assaut. Je sais pas à qui c'est référé, hein, ça. Je préviens pas quand j'arrive, on met pas de clignot quand on double. Je travaille sur un projet de paix, actuellement je suis en plein dedans. Je dois d'abord calculer le nombre de fils de pute par habitant. Maintenant, s'il y a des fils de pute, on fait comment? Je pardonne jamais y arriver, maman. Les chiffres sont si impressionnants. Putain, hey, quand même, il nous lâche là. Sur le premier son, des trucs de fou là, hein. Mais maintenant, s'il n'y a que des fils de pute, on fait comment? J'ai peur de ne jamais y arriver. Maman, les chiffres sont si impressionnants. De leur histoire, pur produit de mon environnement. Exhale pas, tant que c'est un pour tous, personne gagne en papillonnant. Wouah. Tienne le survivant Berlin allemande. Rentrez pas la petite mise à la monde, je suis sorti par la grande. Oh là 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 là, quelle fin de ce son. Oh la vache. Alors, j'ai peur de n'y arriver jamais, maman. Les chiffres sont impressionnants. Ouais. Victime de leur histoire, pur produit de mon environnement. Il n'y a que sur le bateau que c'est un pour tous. Personne gagne en papillonnant. Génération Ken, le survivant. Berline allemande, rentré par la petite, mis à l'amende. Je suis sorti par la grande. Oh là 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 là. Quel son. Alors, si ça commence comme ça. Oh la vache, oh la vache. Alors, deuxième son asserti, on le connaît, pas besoin de l'écouter, hein, donc on la connaît, donc j'ai pas besoin d'écouter, donc asserti. Donc on la laisse de côté, on va tout de suite sauter par RAST, on va regarder bien sûr les credits, composé par Alik, Booba et Yako, et produit la même chose, Booba et Alik Yako, d'accord, ok, RAST. Let's fucking do it. Ok, là maintenant on va écouter, je pense, un Booba à la caramel. On ira où tu voudras quand j'irai que ça à foutre. Quand j'aurai que ça à foutre, on ira où tu voudras. Ok. Ouh, ouh, ça me rappelle, ça c'est un peu la sonorité de Kill. Paradis est sous ses pieds. On dirait que c'est ça.
Ah! Ah! C'est vrai. Ouais. je vais vous dire, je vais pas maintenant à chaque son vraiment lire toutes les phrases qu'il a dit, parce que sinon on va perdre énormément de temps et on va voir une vidéo de 5 heures. Hein. Donc je vais essayer d'écouter un peu plus. Certes, voilà, quand il y a des trucs intéressants, il faut s'arrêter, hein, donc je le dis. Voilà, au moins c'est fait. je n'ai que deux personnes dans la vie, le reste ce n'est que du décor. Ah ouais, j'arrive pas tout à fait à comprendre cette phrase réellement. Parce que si on me dit je n'ai que deux personnes dans la vie, le reste ce n'est que du décor. Alors pour moi, deux personnes c'est Omar, bien sûr, son enfant et Luna, d'accord ? Mais une question maintenant qui me vient à la tête, c'est pourquoi deux et pas trois avec la maman de Booba ? Ça, c'est la question que je me pose. Je ne sais pas. D'ailleurs, dans 5G, il avait dit deux enfants, mes conjoints, mes coronesses, c'est tout ce que j'ai. Petit rappel. Ok, refrain pas mal. Rien à dire, hein. Je prie pas, mais j'oublie pas de dire Hamdoulilah quand je passe entre les gouttes. On ira où tu voudras quand j'aurai que ça à foutre. 9 mm au bout du bras si tu te mets sur ma route. Ouais. Le début du prochain couplet, là, ce que je lis, légendaire. WhatsApp. Pourquoi ça m'étonne pas? Ce genre de phrase comme ça, pourquoi ça m'étonne pas? Pourquoi il m'étonne pas? Oh putain, elle m'a demandé c'est quoi ton snap pour m'envoyer sa chatte. Je suis trop vieux pour snap. Chat, envoie-moi sur WhatsApp. Ok. Oh putain. C'est quand même fort, hein. Elle veut mon cœur, mon héritage, sans faire le ménage. T'as l'air pulpeuse, donc épluche-toi. Hubert, t'ouvre pas la porte. Donc moi non plus, manquerait plus que ça, y a que toi qu'à la côte. Oh là là, elle croit qu'elle est belle pour de vrai, la go se fout de nous. Ça aurait pu être une phrase de moi et Maxou, là. Dédicace à toi, frérot. Ok, donc, ouais, elle est restée. Rien à dire. Franchement,
Il paraît que l'enfer est sur terre. Si c'est ça, je prends. Bago Pinky pas à l'annulaire. Je n'ai pas le temps. Ok. Ok, alors RST, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce son aussi. Donc un début d'album incroyable. Certes, c'est pas comme GP. Hein. Je dois le dire. Je préfère plus de sons comme GP que maintenant RST. Je suis sincère. Ou AZERTY. Mais bon, on verra maintenant la prochaine. Bonne journée, SDM. Donc on va regarder bien sûr les credits. Composé par OG's SDM et produit par Booba et OG's. Bonne journée. Ok. De quoi m'attendre? Je sais pas. C'est ça ce qui est beau. Let's fucking do it. Ok, ça a l'air d'être plutôt une danse. C'est Booba qui commence. Un garçon, une fille, je sais même pas comment j'ai fait. Enfin si, mais tu me comprends, à 25 ans je me voyais fait. Ouais. Ouais, parce qu'il a eu les deux enfants à 25 ans. Calibré rue de la paix, c'est devenu très mal fréquenté. Started from band là, j'ai les lacets des faits. En Ferrari tellement flashé, je frôle la crise d'épilepsie. Avec des si on coupe du bois, avec des homards si aussi. Oh, merci. Sauf quand la connexion est lente. J'aime bien avoir mon camp. Y'a une bagarre, je suis jamais entre. Elle m'a déçu, je fais le ménage, je suis jamais chiant. Ton Uber est déjà dehors, tu t'es cru dans les années 30. Je ne comprends pas non plus toute cette haine qui m'alimente. 25 ans de carrière, personne m'a eu, mais vas-y, tente. Je n'ai qu'un seul gant, tu seras mal entouré. Dès le soleil, le vent, je commence à rouler. Ils sont beaucoup plus nombreux, mais je dois y retourner. Sur ce, nique ta mère, bonne journée. Je n'ai qu'un seul gant, je suis très mal entouré. Dès le soleil, le vent, je commence à rouler. Ils sont beaucoup plus nombreux, mais je dois y retourner. Sur ce, nique ta mère, bonne journée. SDM. Ouais, ouais. Dernier de la classe dans un classé. Je connais leur vie, je connais leur passé. Je les brûle comme dont je repars avec la cassette. Oh putain, calme-toi frérot. Calme-toi frérot. SDM qui pose mieux que Booba, c'est abusé. Je suis désolé, mais il faut le dire. Wow. Calme-toi frérot. Je repars avec la cassette. Hey, la haine dans le miroir, je suis comme Cassel. Elle vient, elle repart le cul cassé. Moi, je charge juste ma bite, mon zebla fait la causette. C'est comment? C'est nous là, on reprend les commandes. Mon Glock et mes couilles sur la commande. Si Faya te touche, minimum, c'est le coma. Ah, il est en train de poser comme un fou, frère. Oh là là. Dans le 9 de Ying, on a commis. Je n'ai qu'un seul gang, gros, tu connais. Intouchable, autre gros, tu connais. J'ai mis peine de cœur au fond d'un verre de cognac. Ouais, pas mal. On va pas réécouter maintenant le refrain parce que sinon, on va perdre du temps précieux. Alors, couplet de Booba, j'ai pas trop aimé de comment il a posé sur cet instru-là. Parce que SDM nous a montré qu'on peut poser autrement. Si SDM peut-être aurait fait la même chose que Booba, j'aurais peut-être pas dit cela. Sur ce, je ne dis pas que le couplet de Booba est complètement de la merde, parce que ça, ce qu'il a dit, c'est quand même intéressant. Comme par exemple, elle m'a dit que je suce, je fais le ménage, je suis jamais chiante, ton Uber est dehors, t'as cru qu'on est dans les années 30. Donc voilà, des trucs intéressants comme je vous ai dit. Bref, on va passer au prochain son, Mona Lisa, produit par Steve Mad, Annie Beats, Khalid Alalou et Kaya Samed. Oh putain, il y en a quand même beaucoup des producteurs là. Mona Lisa avec GSX que je ne connais pas, je sais pas qui c'est, peut-être je l'ai loupé. Let's fucking do it. Je suis tellement loin, le futur est tellement le futur est derrière moi. J'ai tous les contacts, allons leur prendre de l'oseille. Le canon est froid, il veut te parler à l'oreille. J'espère que je serai prêt. Le jour où ça va chier, j'ai perdu des amis, des vrais. De nombreux anges m'ont lâché. Oh, quel message. Ah, franchement. J'espère que je serai prêt le jour où ça va chier. J'ai perdu des amis, des vrais, de nombreux anges m'ont lâché. Waouh.
30 flingues à la main devant la fête. Je vais m'endormir à la mort, me réveiller d'une balle dans la tête. Je me suis ah ouais. Piqué comme un beau. Combien vaut mon futur, je sais pas. Laissez-nous voir nos fils, nous dire qu'ils sont papa. La hagra ça paye pas, apparemment c'est... Quand même, le couplet pas mal si on... Avec la horde flingue à la main, devant la tête, devant la fête, je vais m'endormir à la morgue, me réveiller d'une balle dans la tête. Je me suis fait piquer comme un veau. Combien vaut mon futur, je sais pas. Ouais. J'ai l'impression que ça va pas, j'ai coupé le canon à la cité, tu honores le mauvais drapeau. Ton étendard t'a monté, Pablo Escobar sur la peau. Pas mal, j'aime bien. Pas mal, franchement, pas mal. Le premier couplet et le refrain de Booba avec JSX. Pas mal, franchement. Ok. La terre ou surchargée s'envole, Bédo, mais t'es mal. Que tu te caches dans le réseau, mettez-moi de Mona Lisa. Je peux vous dire quelque chose, le JSX, ça me rappelle un peu un rappeur français aussi. De comment est-ce qu'il pose? Hamza. C'est peut-être mon impression, hein, je suis désolé, mais ça a l'air. Les fumées avant où ça va tourner au drame. Zizou m'a dit descend l'air, ça va nous rapporter des balles. Ce qu'on a commencé, on l'achèvera. Ok, ok, pas mal. Donc, Mona Lisa, pas mal, pas mal. Certes, maintenant, à chaque fois, je vais devoir me répéter. C'est pas du GP, encore une fois. Elle est pas mal pour soi. Vraiment très, très cool. Après, il y a certainement des sons qu'il faudra réécouter pour dire vraiment c'est lourd, c'est du ouf. Là, Mona Lisa, j'ai bien aimé, surtout le couplet de Booba, j'ai bien aimé, un peu pensif comme ça, j'aime bien, franchement. Voilà, donc je sais, prochain son produit par Danny Sainté. Ok, on va voir, on va écouter. Quand tu commences comme ça, tu sais tout de suite que ça va pas être comme JP. C'est pas le son qu'il avait fait avec le son de Rihanna là? Au comptoir d'un thé des bars, de l'or partout comme à Trinidad. L'art de la guerre et du trépas coule dans les veines de la brigade. Si, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, hein. Au comptoir d'un thé des bars, de l'or partout comme à Trinidad. L'art de la guerre et du trépas coule dans les veines de la brigade. Tu crois que je dérive, mais c'est toi qui dérive. Oui, c'est ça. Si j'étais riche, prends ton calage. Je dérive pas. Que des rapides de Reagan. Ouais, c'est ça. C'est des fusillades. Ouais, c'est ça. Il a seulement changé l'instru. Il a seulement un tout petit peu changé l'instru. Mais c'est ça, en fait. Je baisse le rap game dès mon plus jeune âge. J'en ai connu des plus tenaces. Pas jusqu'au bout si tu menaces. Et bien sûr, il a un peu modifié aussi le texte. Tout ce que je sais. C'est... Ok. C'est tout, non, c'est tout ce que je sais. C'est le son. Calibré, mais je suis courtois. Je qualifie dans le pas de tournoi. La direction, c'est toujours tout droit. Y'a pas de mais, y'a pas de pourquoi. Je suis que le top single. Le cours de l'euro. Franchement, là j'ai aimé. J'ai aimé. Franchement, là j'ai aimé. Là c'est. Ouais. Franchement, à réécouter celle-là. 5G, on connaît. Vue de la mer. Prochain son. Produit par ETF, Excel Future et Niels. Interprété par Booba et Dala. Je ne sais pas qui c'est, mais on verra bien. Vue sur la mer. Oh, j'ai bien aimé le son là. Je sais. J'ai pas touché la fille, j'ai niqué la mère. Moi, il est sincère.
Le gros j'ai pris de l'âge, j'ai pas touché la fille, j'ai niqué là. Mais autant de violence peut-être nécessaire. Son gros qui me cache la vue sur la mer. Whisky pour la route, je la DM, comment ça va, mais je veux déjà que je la rajoute. Ah! Je m'appelle un vrai fumier. Elle est là! Je pense qu'à lui piétiner le cœur, elle pense qu'à me prendre des followers. Et puis, je pense qu'on ne va nulle part. Pas de cheval le blanc. Pas de prince charmant, pas de cheval blanc, pas de nénuphar partout où je passe, négro, c'est hard up 9 de Isol. Mais oui! Ah, c'est sûr, ce son-là, il allait pas me poser comme ça, j'aurais flippé ma race. Pas touché la fille, j'ai niqué la mère. Autant de violence peut-être nécessaire. Son gros qui me cache la vue sur la mer. J'aime bien. D'ailleurs, tenez une minute. D'ailleurs, GP, je la mets bien sûr sur la liste Elpa List que vous pouvez bien sûr aussi écouter. Je vous mets le lien de la liste en bas. Bien évidemment, GP va dessus. Vue de mer va bien évidemment dessus sur Elpa List. Absolument. Voilà. Je sais, je vais pas la mettre sur la liste parce que c'est pas tout à fait encore. Je vais devoir encore l'écouter une deuxième fois. Dalla. Voyons voir Dalla comment est-ce qu'il va poser maintenant sur ce son. Ça, c'est la question. Oh. Elle rigole, je la saigne. Ok, Booba a posé beaucoup mieux que lui, hein, il faut le dire. J'ai comme l'impression qu'elle était un tout petit peu mal à l'aise, j'ai l'impression, je sais pas. On leur fait la serre. J'espère que t'as investi dans le dur. T'es éclaté dans le mur. T'es cuit pour de vrai. Ça, l'enfant de pute. Ça, c'était obligé qu'il devait le mettre. C'était obligé qu'il devait le mettre. Mais au moins, il a mis à la fin. Il a pas fait tout le son comme ça. Et c'est ce que je voulais dire. Sur un son pareil, tu dois poser comme il a posé Booba. Meilleur couplet de Booba, absolument. Il a posé beaucoup mieux sur ce son-là que Dalla. Dalla, pas mal. Oui, mais sur ce son-là, j'aurais posé autrement que de comme lui il a fait. Bref, prochain son, l'Olivier. On va voir les credits produits par Denza et Booba, l'Olivier. Ok, let's fucking do it. Oh! Oh! Je suis au volant de l'italienne. Pas loin du bus, je suis au volant de l'italienne. Wow. Oh le son. Oh le son. Ah, j'aime bien. Là tu me balances un truc fou. J'ai mort de la main qui m'a nourri. Oui, moi, c'était la mienne. Je suis pas un accouré, je suis un homme, c'est pas la même. Ah. Ah. Je suis pas un accouri. Tiens. Il n'y avait pas un album qui s'appelait comme ça d'un certain Caris. Je sais pas, mais je pense. Hein. Donc, une pique adressée à l'un de ses rivaux, Caris, de son vrai nom, Knakuri Oku. Eh ouais. Donc, en gros, avec ça, il veut dire que Caris, c'est pas un homme. Bravo. Toujours dans le turf, j'obéis à loi martienne. Elle veut tuer en santé, elle veut un king, on a des haines. Pour qui je vote, le croque-mitaine ou Joe Biden. J'ai un peu trop de haine, des fois ça mène. Oh le son! Que des numéros 10, sa fils de pute et capitaine. J'aime pas les hommes, que pour les gauches, j'ai de la peine. Histoire du 9 de EU, comme en cité de la plaine. Comme le DJ d'invalidé. Comment ça, comment le DJ de valider? Qu'est-ce qu'il a fait le DJ de valider? Oh mon dieu, il lance une pique. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas suivi. Dites-le moi dans les commentaires, parce que là j'ai pas suivi. Prendre les clés,
qu'est-ce qu'on va leur faire, t'as pas idée. Je regrette l'époque des cabines, j'attendais que tu me rappelles. Le monde dans l'ombre, je l'inquiète. Éteindre DSK, ils ont juste eu besoin d'une Gunéenne. C'est quoi un Gunéenne? J'ai pas compris ce que c'est. Je croyais qu'ils avaient écrit dans le... Non, mais... Voilà donc l'Olivier, l'instru de malade. L'instru de malade. Là, franchement, j'aurais posé autrement encore une fois. Hein. Je dis pas que c'était mauvais, mais j'aurais posé autrement, franchement. Parce que l'instru, qu'est-ce que c'était ça comme instru? Alors, on a eu quelques pics contre Caris et contre le DJ de Validé. Le DJ de Validé, je ne comprends pas pourquoi. Il y a eu certaines choses que j'ai peut-être pas suivies. Je le sais pas. Prochain son featuring Maes. Bien évidemment, ça n'aurait pas manqué. Tout le monde a été content de voir Maes sur l'album. 3 fois V, je sais pas ce que c'est. Let's fucking do it. Normalement, quand il fait des sons avec Maes. Voilà. Voilà ce que j'allais dire. Ça va être dansante. What else, bâtard Clooney, parce qu'il fait la référence à la pub de Nespresso. Ça m'étonne qu'il a pris en refrain, enfin que le refrain il le fait lui-même et qu'il a pas pris Maes pour faire le refrain. Ouais, donc un son que je m'y attendais de Booba avec Maes, que ça allait être un son comme ça, un son où les phrases n'ont pas du tout un sens absolument. C'est seulement, on dirait que Maes, il a craché des phrases comme ça là, comme ça, Urus, Erimatis, mauvais payeur puni, donc rien à voir. C'est comme si j'allais dire bébé, caca, Pampers l'a fait aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est comme si j'allais dire ça. Mais bon, c'est le style Booba Maes, hein, donc on peut rien dire d'autre. C'est exactement ce que je m'y attendais. Et voilà, après, c'est absolument à réécouter et après à voir, bien évidemment. On verra. Bref, prochain son 31 featuring Gâteau, produit par Alik et Yako. Let's fucking do it. 31, est-ce que ça veut dire le traître? 31 quand il va chez la police ou ça a rien à voir, ça a rien à voir. Ça se voit que t'es une grosse putain, que t'es clitoridien. Toujours sur mon 31, le sale mon quotidien. J'ai matché avec tuin, j'ai swipé sur la gauche. Ouais, mais là, bon, est-ce que là maintenant il a repris le truc, le Caris? Parce que là, il faut pas. J'aime pas trop. Ouais, parce que je vois trop de. Comment dire? Moi, je suis quelqu'un. Quand j'ai déjà entendu des choses pratiquement pareilles, automatiquement, j'aime pas. Je vous dis le pourquoi et je vous dis le comment. Par exemple, quand il dit « chouin, chouin, chouin », ça me fait rappeler la musique de Caris. On est bien d'accord? Donc là, il a repris carrément, on va dire, le truc de Caris. Certes, ce n'est pas la même chose, d'accord? Soyons honnêtes. Ce n'est pas la même chose, mais il a repris le truc. Et donc déjà, ça, moi, ça me va pas. Première chose. Deuxième chose, maintenant, avec « niquezvosgrandmères.fr ». Ça me rappelle un son de La Fouine quand il dit nique ta mère.com ou un truc du genre.
vaniquertamère.com. Quand je sais pas dans quels sont, je crois que c'était dans. Oh, je sais pas, je veux pas vous dire des conneries. Où il dit vaniquertamère.com. Donc, et ça, c'est pratiquement aussi la même chose, niquezvosgrandmères.fr. Voilà, donc, vous voyez où est-ce que je veux en venir? Après, c'est. Bref, tout qui. Ça va en anglais. Niggas claiming to be sale, but they not a note noir. Started with a fourchette in the trap house cooking raw. Bitch, I'm from Fontamara, I never knew my dad. That mean I'm a bastard, I will kill you when I'm hungry. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé finalement 31 avec gâteau. J'ai pas aimé. Surtout la partie de gâteau. J'ai pas aimé. Peut-être à la réécoute. Franchement, la première écoute, j'ai pas trop aimé. Bref, prochain son Ultra featuring personne parce que c'est produit par Nel G. Ultra. Oh putain, c'est un son d'un dieu. Pas d'un. Ouais. Oh, ça, on dirait que c'est. Oh la vache. Je vais arrêter de parler d'eux, ils sont en dessous, on dirait que c'est moi le haineux. Putain. Je vais arrêter de parler d'eux, ils sont en dessous, vont dire que c'est moi le haineux. Différentes religions, je serai donc rappelé par les dieux, j'ai une grosse. Oh, quel instru de malade! Oh putain, et en plus il pousse comme un fou. Il viendra pas, il est cloué sur une croix en bois, en tout cas moi je l'entends pas. Ni lui ni la fin du mois, je me fie à ma bonne étoile. Oui, petit joint, je crois en toi. Tu me lâcheras un jour, ils diront que je te méritais pas. Ils font la guerre avec des chats, on passe des carrés sur Insta. Oh putain. Welcome to the sun, vous rentrez, vous ressortirez pas. Je pose très peu de questions, elles pensent que je ne m'intéresse pas. J'ai deux femmes qui savent tout déjà, Siri et Alexa. Bientôt des nouvelles du front, j'attends le retour des pirogues. Oh le son de malade. Oh le son de malade. Tout de suite sur ma liste. La liste, elle pas liste. Tout de suite, elle pas liste. Oh là 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 là. C'est en plus toujours au moment que tu te l'attends pas qu'il te sort un son comme ça. Alors, prochain son, Grain de sable featuring Elia. Alors d'écouter cela d'un album de Booba, c'est quand même une première, il faut le dire, parce que je me rappelle pas d'avoir. J'aurais dû les tatouer peut-être. Je rêve de te retrouver. Rien qu'une fois toi qui me meurs. Bien sûr, il faut dire les choses comme ils sont. J'aime pas. Qui vient, qui s'en va. J'ai fait un vœu. Après, c'est bien chanté, hein. Je dis pas le contraire, hein, mais. Voilà quoi. L'album de Booba, le dernier, tu t'attends un peu plus. L'artère principale est touchée. Je n'ai pas su garder le cas. Mais après, il faut dire que Booba, ce genre de son-là, il arrive à les faire. C'est bientôt l'heure où tout se tait. Même sérieusement, à mon cher. Ok, donc Grain de sable avec Elia, ouais, c'est pas top, c'est pas exactement ce que je m'y attendais,
Après, voilà. Hein. On va dire que ça passe, allez. Parce que c'est très bien chanté, en fait, Lilia. Hein, donc, c'est pas. Je dis pas que c'est mal chanté ou quoi que ce soit. Mais voilà. Et je m'attends toujours plus parce que c'est quand même un album de Booba, c'est le dernier, etc. Donc voilà, d'avoir ce chantage, ça me casse un peu les pieds. Hein. Bref, dernier son, dernière fois, produit par Steve Madd, Sam Even et Crimps, featuring Bramcito, dernier son de Ultra, Let's Fucking Do It. Laissez-moi penser qu'ils seront sauvés. Prenez-moi si vous voulez, refermez derrière moi. Laissez-moi chanter la liberté, l'illégalité. Elle veut entendre mes décibels, savoir ce que je vais manigancer. Si tu veux voir, regarde le ciel. Je me suis éloigné des faux pour voir la vie en vrai. Je casse la garde en deux, elle se dévoile un peu. Le cœur rempli de bleu, les étoiles dans les yeux. Ok, donc dernier son de l'album de Ultra. Dernière fois featuring Bramcito. Pas mal, oui, et un peu choqué, on va dire ça comme ça. Voilà les amis, c'était tout pour la première écoute ultra de Booba. Qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, ça c'est très difficile maintenant. Il y a certains sons où je me suis dit pourquoi, certains sons où je me suis vraiment posé la question. Voilà, c'est quand même le dernier album de Booba. Après, je vous dis clair et net, il y a certains sons, comme par exemple avec Maes, qu'il faut réécouter pour vraiment en dire plus exactement comment est-ce que. Voilà, donc c'est un son qu'on devrait écouter beaucoup plus souvent. Et je pense que les autres, comme Je sais, la même chose, c'est des sons qu'on devrait réécouter pour vraiment réellement dire oui, ça c'était quand même pas mal, ou ça c'était comme ci et comme ça, non, ça non, ça oui. Donc c'est un peu difficile maintenant de dire. Voilà. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous avez écouté ce son ultra, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est exactement le son que vous avez, que vous vous êtes attendu? Ou c'est plutôt l'album Déception? Vous vous attendez peut-être un peu plus. Franchement, là, je sais pas quoi dire. Bref, sur ce, laissez un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous à la chaîne Ortex Elpa. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Votre Elpa. Triple peace.